je suis l'autre Poulpi. Comment allez-vous? Ça va? Ouais, moi ça va. On se trouve aujourd'hui pour la 8e vidéo de Man Eater, hein, avec un requin presque tout osseux, il manque plus que la tête. Regardez-moi ça, on dirait un... Je ne sais pas ce qu'on dirait. En tout cas, c'est beau. Regardez-moi cet aileron, regardez-moi cette queue. On dirait un vaisseau spatial un petit peu. J'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, nous allons donc procéder... Oh, c'est une petite zone. On va procéder au 100% des lacs du cheveu, des cheveux morts. On est à 70%, il y a quelques missions à faire là-bas. Vous voyez là, non, j'ai des petites missions, le bougre. On va faire ça tranquillement, ça va être rapide. Ouais, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit montage résumé, hein, vite fait. Ah, c'est la zone de tuto là, elle était énorme. Et on est à la dernière zone. Ah ouais, bon voilà, on va commencer à faire ça. Hein, on va s'en faire une. On va finir... enfin, je sais pas, on va voir. On va voir comment ça se passe, hein. Ouais. A water's murkiness or turbidity can significantly raise the risk of a shark attack. L'obscurité ou la turbidité. Ah, c'est marrant ça. Oh, je me rappelais pas que c'était aussi pourri ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le bon coin, chasser. Ce point de pêche est idéal pour les alligators cherchant à se nourrir des pauvres travailleurs de Port Clovis. Ok. On y va. Oh, il y a une plaque, elle est immensément haute, là. On va se régaler, je sens. Alors, il y veut combien? Ah, ouais, forcément. Ah, ouais, forcément. On... Qu'est-il? Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il m'a pas respecté! Mais il découpe que... Attends, attends, je suis un requin osseux. Je te prierai de me respecter. Voilà. Le respect total. Ensuite. Quoi? Ah ouais, d'accord. C'est bien. Alors, gueule d'égout. À Port Clovis, la présence des gators dans les égouts n'est pas qu'une légende urbaine. Qui plus est, leur exposition aux eaux usagées signifie essentiellement l'hépatite A. Ah, ça, ça craint, ça. Allons abréger ses souffrances. Bon, il va encore être niveau 15. Il y a un humain! Il y a des humains qui nagent! Ça va? Ah oui, quand même! Toi, je te mange! Et je suis galant, je laisse la grosse madame vivre! C'est comme ça. Girl power! Ouais, on joue une requin, hein, une femelle, hein! Je le rappelle quand même! N'oublions pas! C'est important. Je sais pas encore pourquoi, mais... J'ai envie de l'attraper. Attends, je vais faire un test. Les bidons. C'est qu'après, j'ai plus même mâchoire électrique, donc... je vais moins les stun. C'est pas très grave, mais quand même. Alors, les cheveux morts sont 12%. Il reste 3 points d'intérêt. 5 coffres. Et 6 plaques. Ouais, rien que ça. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser, hein, et puis on se retrouve après quand c'est fini. You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Dolphin, orca
versus giant squid, boat versus pylon. When establishing dominance, the contest is usually a deadly one, with survival as the prize. I made a world's mistake, one fool could ever make. The threats to our oceans seem overwhelming, but by working together now, we can ensure that future generations always have a place to dump their own toys. To make you love me true. Driftwood Man Festival purports to foster progressive change, but it's really just an excuse for hippies to flout public nudity laws. Ah, les hippies! Bon, bah voilà, dans de l'ombre, alors c'est un nouveau... Il y a trois types d'améliorations, il n'y en a pas que deux, il n'y a pas que fausse électricité, il y a aussi ombre, dégâts de poison, étrange. Bon, bah c'est bien tout ça, ça s'est bien passé, hein? Ouais... Je me ferai bien les rivages dorés dans la foulée, hein. Bon, écoutez, pendant qu'on y est, pendant que je suis chaud, allez, on y retourne. Playing only the best music in the world. La puissance. I'm your jolly strong, keep sharks away. Well, I run my ass so it won't have to break. But you take me someplace that I never been before. No, I don't know if I will find my back again away. Cause you've got me right where I want you. And another thing I can do completely, cause I'm all bad at you. You've got me right where I want you. I close my eyes, you're looking at me. You wake me at night, walking right in my dreams. Windows are smells of blood and guts. And all I can sing is this last night nightmare. But I never took that I would get caught. Birdie, I'm rapping in your big mouth. Dear, I'm rubbing out in your big mouth, dog. You've got me right where. You've got me right where. You've got me right where. I want you. You're very strong. Keep blowing away. What around my ass. So it won't have to break. But you take me someplace that I have never been before. Cause you've got me right where I want you. And another thing I can do completely, cause I'm all bad at you. You've got me right where I want you. I close my eyes, you're looking at me. You wake me at night, walking right in my dreams. Windows are smells of blood and guts. And all I can sing is this last night nightmare. And I've never took that I would get caught. Birdie, I'm rapping in your beam. Oh, c'est fini. Ça y est. Bon, bah voilà, deux zones de plus à 100%. Ça manque un peu de trompette tout ça. 100, 100, 100.
Ouais. M'en restera 3. 83%, celle-là, c'est comme si elle était faite, hein, bien sûr. Vous voulez qu'on la fasse tout de suite, ça sera fait? C'est vrai? Allez, on y va. This is your number one radio station. When it was discovered that their Stonehenge replica was astronomically misaligned, enraged Wardlovians moved to the It's a jukebox. I wanna hear some David Jones, 'cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like me hitting since my shark is gone. Country song. Before you drop that bone, keep one thing in mind. You got to hear Brock Redneck stand big ear in line. I've been down on a lonely ever since she left. Ever since she left. Le dernier, ça va être la rêve partie, je pense. J'ai vu que je l'avais oublié quand j'ai fait le montage. La petite scène. La queue de l'ombre! Port Clovis plays host to the Megasonic Electro Carnival, giving a real boost to the local MDMA industry. Bien! Là, vous avez vu, la soucoupe volante et tout ça, c'est dans une autre zone, c'est celle-ci. Et ouais, le golf. Il y a plein de merde à ramasser là, hein. 21 coffres. Ah, ça va être pénible ça. Mais il n'y a aucune mission, donc on va attendre un petit peu. De toute façon, il nous remet des missions dans les anciennes zones, généralement, quand on peut y retourner. Ouais, cette porte aussi, hein, cette foutue porte. Je pense qu'il faut jeter quelque chose sur le bouton, je sais pas. En même temps, on s'en fout. Hein. Ouais. C'est peut-être pour le scénario à venir. Peut-être. Allez, on repart un petit peu. Détruire. Se nourrir. Évoluer. Alors, j'ai chopé la mâchoire de l'ombre, dent de l'ombre. Oh, c'est trop mignon! Draine le sang des proies que vous mordez, vous soignant par la même occasion. D'accord, c'est complètement pété, très bien. On va pour l'instant, on va rester sur les dents osseuses. On a toujours pas de tête. On a aucune tête. Qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'un corps, il nous manque tellement de choses. Mâchoire de l'ombre, c'est joli. Nuage de poison quand on esquive, d'accord. Il n'y a que de l'ombre. Oh! Proche une boule de poison de votre queue lorsque vous avez une attaque caudale. Bien sûr, c'est normal! Je suis sûr, on va jouer un petit peu avec tout, hein. Mais quand on aura plus de choix, quand on pourra faire les kits complets, ça va être sympa. D'ailleurs, je suis étonné quand on est quand même à 70% du jeu. Et il nous manque plein de trucs. Ouais, 70%, c'est ça? Je pousse écrit. C'est pas grave. Ah si, c'est là. 77% même. C'est incroyable. Amuse-gueule. Même les ennemis naturels de l'orque sont conscients du changement de l'opinion publique concernant les parcs de mammifères marins. Eh ouais. Parc marin, les pauvres bêtes. Hein. Peut-être pouvoir tuer un orque. Attends, s'il y a un parc... C'est-à-dire qu'il y a des orques dedans. S'il y a des orques dedans, ça veut dire qu'on peut les manger peut-être. C'est très bien. Alex. Non. Peut-être une petite référence peut-être. Oh, des tortues. Attends, pourquoi? Le tortue. L'explosion de la population de tortues a décimé les champs d'algues autrefois florissants de Kei. C'est la partie de l'océan que tout le monde préfère. Bien sûr.
m'a violenté de la sorte? Qui a osé violenter? Ah! Bon, parlez de toi! Mais il y a des orques, d'accord. Oh merde! Niveau 30! Ah ouais, bah non, mais on était bien là! Moi j'étais. Je pensais que le jeu était fini. Qu'on dominait le monde animal. Je secoue quoi là? J'étais tapé contre un Mako, je crois. Niveau 30, oh, je suis niveau 27. Ouais. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps? Non. Non, on va pas se battre. Sauf si vraiment. Tu vois. Je suis un petit peu emballé. Ah, il y a du monde quand même. Non, on va pas se battre. Il y a du Mako. Il y a même un phoque, rendez-vous compte. On peut rien faire. On a fait une infériorité numérique totale. Ça picote. Bon, après, niveau de la vie, on est bien, mais en même temps. On bouffe, on adore, tout ça rend pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas un bon indicateur. Oh, je vais me faire un orc, moi. Ah, si. Pour la comté hein? Bien sûr. Petite référence qui fait plaisir. Non. Je vais aller là, pour trouver un peu de calme. Ils me suivront pas. J'ai pas eu le temps de bien voir l'orc, mais il a l'air d'être assez balèze. De bonne taille, ah bah tiens, bah voilà. Ici tout le monde flotte. After the creation of a killer clown task force, clown related homicide still remains a problem in Port Clovis. Excellent, ça. Je peux monter là. Pourquoi donc faire? Ah bah c'est là où je me suis fait buter par un requin blanc. Où j'étais triste. Je trouvais ça injuste. Bon, il y avait une plaque à l'époque, mais j'ai déjà ramassé. Je suis passé à côté du clown, ça veut dire? Non, c'est un autre parc. Ben non, pourtant. Ouais. Bon, alors, je viens d'où, moi? Je veux aller à... Je veux aller où? C'est de la merde, ce que je fais. Je vais aller là. Souvenir de Kay. Votre collection ne sera complète que lorsque vous aurez ramassé tous les déchets. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Calme-toi. Salambine, un bassin de cette taille ne peut accueillir qu'un certain nombre de tortues au mètre carré avant de se transformer en égout à ciel ouvert. C'est vrai. Allons faire ça. Ça, c'est intéressant. On ira voir les orques après. On va commencer par les tortues, on va y aller progressivement. Dans le niveau de menace. Faire ça bien. Ah, c'est un petit peu hostile comme coin. Alors, il y a des orques, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut rester au-dessus de l'orque? Il n'y aura pas de calamar, je pense. Peut-être en haute mer, hein, remarquez. Allez savoir. Il y a des macos là, dans votre bassin, là. Non, non, c'est un bassin. C'est un petit lac artificiel, d'accord. Il y a quand même un requin qui s'est perdu là-dedans. C'est des petites tortues de rien du tout. Oh, les petites bébêtes hein. Ah, il y a des grosses, il y a des mamans aussi. Il y a des mamans, il y a des bébés, on mange tout le monde. Oh oui. Encore 3. On est bien là. On est bien. Je me fais attaquer. Niveau 28, il y a une grille. On a fini la mission. Ah, on mâche un Mako, pardon. Regardez-le. Bon, regardez-le, on voit pas, mais... On le mange. On le mâche. Comme une vulgaire friandise. Impressionnant, hein. Ouais, je suis bien d'accord. Déjà venu, là. C'est le jeu de tout à l'heure, on va voir le clown, là, non? Clown. Oh là, oh là, il y a des ouvertures partout. Oh là là, bah voilà. Voilà, c'est tout droit. Parfait. On va aller voir les orques. On va débarquer dans le bassin, là, on va être bien. Amuse-gueule. Ah non, on tue des humains, pas des orques, d'accord. Oh, on tue des humains. Qui viennent regarder les orques. Supercharged with gene-altering mutagens, the shark now has an asymmetric edge on the competition. Par là, je sais pas.
Lui, ça va être par là. Ouais, oula, c'est un bassin, ça. C'est artificiel. Oh putain, il y a des orques. Voilà, carcasse de phoque. Qu'est-ce que je vous disais, hein, qui joue au foot avec? Ah, je l'avais dit. Le jeu confirme. Bravo, le jeu. Casser ça, là. Ça m'indispose. C'est un orque. Pas d'orque là-dedans. C'est où les orques? Tortue, ça n'a pas de sens. Dans quoi qu'on est, là? Il devrait y avoir des phoques et des orques, éventuellement. Ah, mais les humains sont même pas là! Oh, putain. On va prendre la sortie, hein. Ça me paraît être le plus sage. Pourtant, la mission est là. On va d'abord ramasser ça. Ça évitera de revenir. Bon, d'accord, tout va bien. Mutagen 23 is certainly heating up the evolutionary arms race. Alors, mais si, attends, ils sont là ou pas? Mais s'ils sont là. Ah, mais c'est tellement grand qu'ils sont tout petits qu'on les voit pas, d'accord. Oh, mais vous regardez quoi? On sait pas. C'est du squatter, ça, c'est du SDF. Hein. Quel intérêt de venir là? Il n'y a rien, il se passe rien. How quickly a day at the beach turns vigilante fever has seized Fort Clovis, making it dangerous for anything that swims. C'est marrant. Ça veut dire que... Ils sont arrivés par où? Ah, il y a une petite ouverture, c'est vrai. On les a appelés au secours. Au secours, hein. Activation de l'armure d'os. C'est un bon endroit pour faire une bataille. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Il fait des torpilles sans que je lui demande. Ah, c'est quand j'accélère. Ah, enfin, je crois. C'est bizarre. J'ai rien marqué avant. Pris cher l'aéroglisseur là. Meurs un aéroglisseur. C'est bien ça. Chasseur sous-évolué, ça, sous-équipé. Ah, faut pas nager là, hein. Bah, je sais bien que t'avais pas le choix, mais bon. Fais attention quand même. Tombez pas du bateau. C'est dangereux. Ouais. Ça fait des toupies tout seul. C'est confirmé. Quand je mords, il tourne. Attention, il y a une fuite. Et où est Pete les Cailleux? Et où est Kyle? Alors oui, Kyle, j'ai vu que on l'avait pas bouffé. Non, non, il est mort dans l'explosion, probablement. Même si on n'a pas vu de morceau voler, alors je sais pas. Moi j'ai envie... je pense qu'il y aura un retour surprise. Ouais. Il va revenir en Aquaman, ou je sais pas. Pour nous faire un truc. Il est un peu mort comme une merde, hein, dans la différence générale. Hein. Bon, après, il était pas spécialement intéressant. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. C'est extrêmement désagréable. Bah alors, les humains. Encore trois. C'est bien. Ils se sont pas enfuis. C'est bien. Gentil le casse-croûte. Calme-toi, c'est fini. Est-ce que je peux passer dans cet anneau? La réponse est oui, bien évidemment. Si un orque peut le faire. On les voit pas beaucoup par contre. Si un orque peut le faire, je peux le faire. Attends. Voilà, c'est validé. On peut partir. On a montré qu'on était les plus forts. Chasseur, ça non? Là, t'es mort. Attends, quoi, il en restait à bord? Qui a fait ça? Bim! Voilà! Bon, allez, on s'en va. Oh, il y a des orques là.
C'est des poissons, calme-toi. Je crois que c'est de l'autre côté de la cloison. Non, c'est juste des pauvres poissons. Ah, ils m'ont vu, mince. Alors, cette petite mission, noir et blanc est plus mort que mort. Cassanita vient de s'échapper de poissons panés. Elle doit être considérée comme forcenée et extrêmement dangereuse. Ah merde. Ah ouais, mais déjà, je suis pas vraiment prêt, moi. Après, on est quand même balèze, hein. Terminé, caille à caviar chassé, donc c'est ce que je dois faire, ça. L'orque. Dans la population, ok, c'est l'autre mission. Tuer le prédateur suivant. Niveau de la famille 6, hein, progression 50%. D'accord. C'est pas aller. On va monter notre niveau à 6 tout de suite, hein. J'ai envie. Casse-moi ça. Voilà. Allez, on s'emmerde plus. Quand on est en mode bélier, on casse tout. Ouais, ça marche bien, ça va, ça marche tout seul. Pas s'embêter. C'est du bon jeu, c'est du bon jeu. On se met en bélier. Ça, le bélier, c'est bien, ça va faire monter. On pète du bateau, donc ça va. Ah oui, ah oui, le bateau il prend cher. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui! Allez, allez, voilà, apprenti boucher Brady. Alors, où est-ce que t'es? Où es-tu, mon brave? Niveau 29? Est-ce qu'au niveau 30, on passe en mode mégalodon? On l'espère tous. Ah, Brady, t'es où? Tant qu'il arrive. Ah, mais je suis prêt, ma petite couille. Ah, voilà. Ah, il a un gros bateau, lui, d'accord. Il est ridicule. Et je vais le prouver. Ah ouais. Brady! Ah, c'est pas lui, mince. Il est derrière. Il est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut lui péter son bateau? Ah, il est malin, il est comme Pete, il se cache. Enfin, il est malin. C'est un pleutre! Tout dépend. Ah, il est à l'intérieur. Je te pète ton bateau, moi. Je lui marche dessus. Je lui fais le bélier. Attends, bouge pas de bélier, tu vas voir. Bateau, je te le pète. T'es prêt ou pas? Petit bateau. Allez! Corbio électrique! Sûr qu'il est pas mort, faut que je le mange. Si! Qu'est-ce qu'il est? Où es-tu, Brady? Si, c'est noyé? Enfin, c'est un colosse, hein. Est-ce que ça sait ménager les colosses? On sait pas. Allez, on s'en va! Ces questions philosophiques m'ont épuisé. Je préfère partir. Et aller. Où vais-je aller? Bon, là, on est parti pour affronter l'orque, hein. Un combat nocturne. Je suis pas rassuré. Non, j'aimerais mettre niveau 30 pour le faire. Ah ouais, bah, on va tomber dessus, ouais. Bah, tant pis. Hein. Ah, il est là. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a pas vu. Il m'a tellement pas vu. Ah, il a pas de cinématique, lui. Est-ce que je l'ai pas provoqué, peut-être? Ah, attends, c'est-à-dire que c'est pas le prédateur suprême, ça veut dire que c'est une chasse classique. Ça veut dire que je peux aller me le faire, bien sûr. C'était quoi ça, le... C'était Team Fortress 2? J'ai pas eu trop bien le temps de capter. Ah bah, elle me tourne le dos. Oh ouais, niveau 35. Oh non, je vais esquiver. Monsieur tout pâteau, ça. Ça donne quoi les coups de queue là-dessus? Ça marche bien. Ça l'énerve. J'ai pris cher, attends. Calme-toi quand même. Est-ce bien raisonnable? On n'est pas sûr. On n'est pas encore sûr que ce soit très raisonnable. Bon, l'ami mid-life. Bon, je suis de aller. L'armure osseuse, je suppose que ça me protège un peu. Je suis vraiment pas sûr. Mais t'es bidon, monsieur, t'es bidon. Alors, t'en fous de cul encore. Intercepté par la queue. Queue puissante. Ok. Ouais, je laisse de la viande. Ah, je suis dans le golf, mince. J'ai changé de zone. C'est inacceptable. Les dents de la mer.
Le requin près du chantier rêvait de travailler dans la construction, mais il a échoué l'examen après 5 fois. C'est pas possible, arrête de dire ça. Même s'il y a des enfants qui jouent, ils vont être là, mais... Ça peut passer des diplômes, les requins ? Oh, tais-toi. Sale gosse, hein. Bon, il y a une plaque et une mission vengeance par là, on va y aller. Qu'est-ce donc ? Mordu de construction. Bien que la violence ne soit jamais la solution, elle envoie un message fort sur les impacts négatifs associés aux nouvelles constructions côtières. Qui a fait ça ? Tiens, Mako, reste tranquille. Je laisse une chance de survivre, hein, profites-en. Putain, le Mako ! Je suis tellement patient avec ces animaux stupides. 10 humains. Très bien. Allez, on grimpe. Oh, casse-toi, casse-toi de la pente. Je me soigne un peu. Il n'y a pas grand monde ici. Allons un peu plus loin. Voilà, c'est bien. Ça fait la fête, hein, au lieu de travailler sur le chantier. Squatter, ça fait nuit. C'est des jeunes qui viennent faire une teuf. Une teuf. Sale jeu. Allez les hippies! Ça sent le poisson grillé! Je vais me soigner sur un requin blanc. Tire-t-elle de ma puissance? Du niveau 20 au moins? T'es pas niveau 15. Hein. Niveau 25. Ah, il m'a senti. Ah, elle est où ta vie? T'as vu? T'as perdu de la vie? C'est arrivé quand? Tu sais pas toi-même, hein? Ouais, bah, t'es sûr, y a toujours le Mako qui est là. Je l'ai envoyé en l'air, putain. Je me régale. Meurs le Mako, meurs! Tu m'as trop saoulé! Je l'ai prévenu! Dis donc, brave le foie! T'es témoin! Pas sous l'eau! Si, si, je pense battre! Il a un petit. Il est endormi lui, hein! Ouais, il en va lâcher. Pauvre bête! C'est fait! Aucun remords! Bon! Coffre! Coffre, coffre, coffre. Est-ce que je vais vous attaquer? Mais non. Parce que je ne sais pas nager. Alors il reste une mission. On va faire tout ça, là. On va voir. Ça dépend si c'est accessible ou pas. Oula, attends. Vieux marlin. Voilà, mais c'est vachement haut. Oh, elle va pas être facile celle-là. Laisse-moi tranquille. J'aurais pu l'avoir. Je vais être obligé de te tuer, c'est ça? Ouais, je vais être obligé de te tuer. Allez. Un bouton. J'ai pas le temps de le secouer, disons. Non, mais je veux attraper parce que là, elle a l'air extrêmement chiante, donc... autant que ce soit fait tout de suite. Je pense au mois de plus tard. Ouais, je suis sympa avec moi-même. Le pas qu'il souffre. Oh, le pauvre. Oh, vas-y, allez. Voilà. C'était facile. Juste mis un quart d'heure. Allez! Maintenant, passerelle. Ah bah. C'est le même saut? Il a l'air un peu moins difficile. Ah ouais, c'est chiant là. Attends, faut que je grimpe là-dessus? Intéressant. Intéressant, mais.
Vous vous rendez compte que c'est un saut encore chiant ou pas? Est-ce que tu te rends compte le jeu? Ce que tu me demandes de faire? Est-ce que tu as vu ce que je fais? Ça fait de la peine. J'en ai mangé un! Plus que 9. Bon attends, c'est quoi? Il y en a de là-bas, mais oui, mais t'embête pas. Et là, tu tapes des bonds de 30 mètres alors qu'on t'a rien demandé. C'est insupportable. C'est quoi ça? Non, laisse-la, laisse-la. C'est pas le moment. Elles sont protégées. Hein. Vas-y, suis la rambarde. Tu vas voir. Au bout, il y aura la solution. Tu vois, ça descend déjà. Là, c'est la solution. Là, c'est bien. Remarkable how quickly Fort Clovis takes up arms in the name of a murderous cause. Il y a des choses ici, non, c'est pas. Où sont mes proies? Ah non, elles sont toutes là où c'est chiant. Voilà, pourquoi, là, comment j'ai fait? Alors, j'étais sur la terre ferme, hein. J'ai fait un rebond. Aucune idée. Bon, faut que je monte là où c'est moins haut. Genre là, c'est... Là. Allez, 8. Allez, 9. Voilà, on va chercher un plus loin. Voilà. Parfait. Chalut, ça va? Les plus attentifs remarqueront que ce chalutier n'est pas équipé des dispositifs anti-capture accessoires requis par la loi. Un contrebandier. Oh, niveau 30, visitez la grotte. Oh, le mégalodon, le mégalodon. Allez, pète-moi ce chalutier. Tu fais quoi? Essaye d'activer le bélier, mais tu pouvais pas. C'est ballot. Il prend cher quand même le chalutier, c'est bien. Coup de queue? C'est mal un coup de queue? C'est pas mal. Allez, on mange, on se soigne. On mange des humains? Là, regarde, il y a un humain là. Tu veux pas? C'est même pas du chasseur ça. Allez, on va par là parce que je sais pas ce qu'il y a, mais. Mais il y a une mission à côté, très bien. Ouais, ça va le requin? J'ai du mal. Cette plaque sera mienne, avec style, avec grâce. Oh. Où est le style, où est la grâce? N'était pas au rendez-vous. Non, tu fous pas de ma gueule non plus, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, allez, on y va. Y'a rien là, de quoi t'y arrives pas, de quoi. Ça me merde. Petit coffre. Pas un combien. Oula. Oh, les vers de l'orque. Ah non, c'est du. C'est du requin, ça regarde la tête que ça. Ça en est tout à pointille. C'est du mako, exactement. Mako a de nez pointu. Il y a quoi? Tu veux des tortues et le skate, c'est mortel, dévorer 15 humains un peu plus loin, d'accord. Intéressant. Très intéressant. Donc un marteau chassé, ah bah il est là. Attends, on arrive. On va d'abord manger les tortues, gentiment. Quoique je pourrais commencer le combat avec le requin, vu que. Bon, je vais tuer un mako devant lui pour qu'il comprenne bien que là, bah, tu vois. Prédateur machin est rentré dans la région. Ah, on a débloqué le prédateur de la région. Qui va être quoi? Ah non, ça rend qu'un marteau normal ça. C'est pas le chasser. Mais c'est marrant quand même. Ah, je détruis tout sauf ma cible. Ça c'est plutôt cool. Alors, il est où? Maintenant qu'on a tué tout le monde. Ah, mais il s'est barré. Si loin que ça. Ah ouais. Je me cueille tellement j'ai la rage après lui. Tu me fais courir là, tu sais.
jusqu'au bout. Exactement, comme ton pote, mais t'es niveau 18, t'es ridicule. Tue-le, allez. Je peux mettre un coup de queue pendant que je secoue ou pas? La réponse est oui. Et on le resecoue comme ça. Il n'y a qu'un marteau, il t'en vaut pas un clou. Alors, ça mérite... Oh putain, d'y réfléchir. Parmi les espèces appropriées pour votre mare, vous verrez peut-être des barres et des crapets. Des crapets? Mais jamais des marlins. Vous voyez plus un marlin? On y va alors. Bah de l'autre côté, il va me saouler. On va d'abord tuer les humains. Ils m'ont l'air plus accessibles. Alors ils veulent quoi? C'est quoi le skate, c'est mortel? Pas du tout. Où est-ce que t'es? Allô? Bah le skate, c'est mortel, c'est où? Si, c'est par là. Ah ouais, j'ai pas la mission sur la carte? T'es aveugle. Allez, on va voir. Bon, ils sont tous à côté, non? Ils sont là, regarde. Ah mais c'est là. Ces dernières années, les vidéos de skateurs font fureur sur le web, mais combien d'entre elles se terminent par un requin massacrant tout le monde? Énormément. Ah mais y'a de l'eau! C'est quoi ce bassin de merde? Attends, on peut faire du surf? Attends. Je peux la prendre ou pas? Voilà, dans ta bouche, et jette-la. Oh là là. Écoute que sont dévastateurs, hein. La queue osseuse. Sharks, like people, can get a tan. Although it's doubtful this shark is here in pursuit of the... Ah, il a requin sa bronze, c'est pas de ma gueule, non? Oh là là, alors 6 sur 15. Il y a un chasseur qui m'attend. Attends, on change de zone? Yeah. Ah ouais. Putain, mais c'est immonde ici! Venez à moi, les humains. A shark's gills are not designed to function out of water. C'est un peu. Ça va. Allez, il en reste un. Allez. Allez, mais mange-le là. Ah, tu peux pas sortir. On va mourir là. C'est marrant ça. Ah, bon, on a failli mourir en plus. Une fois manger. Un gros fuck. Il n'y a pas de grillage. Comme ça, on va manger une fois qu'on pousse. Eh bah, dis donc. On a eu chaud. Ah, ouais, je peux aller à la grotte, c'est vrai. Tu sais, j'aurais pas me faire le marlin. Vite fait, hein. Histoire de. Mais c'est une chance quand même. Parce que quand on va encore muter, j'aime autant vous dire que. Complètement. Complètement. C'est un carnage. Une petite barcasse là, un petit humain pour se soigner, ça c'est bien ça. Ah, même deux. Ah, où qu'il est? Ah, la plaque est plus importante que toi. Et déjà mort. Eh, hey, fous-moi la pelle, Mako. Tiens, un truc à apprendre. Non, je dis fous-moi la pelle. Oh, c'est une grille. Bon, on va y aller, tant pis. Au ralenti, c'est utile. Allez, on accélère. Un petit que coffre. Ça se refuse pas. Y'a que ça ici, hein. C'est profond, par contre. C'est profond, mais y'a que ça. Même pas un autre passage. Allez, je vais à ma grotte. Est-ce que je suis encore considéré comme en combat? Non. La musique s'est calmée. Je suis au côté. Ah bah si. Eh bon, on va y aller à pied, tant pis. Enfin, il y a un nageoire.
un nageoire ventrale. Ouais. Ça va. Bonjour les humains. Je les tue pas. Non. Parce que là ils se disent qu'ils ont vu un gros requin, mais ils savent pas encore qu'il y a un plus gros requin qui va arriver. La métamorphose. Ah oui, là on a bien vu le hein, on a pris en largeur là. The shark is now a mega shark. Mega requin. Often referred to by scientists as the 64 ounce gas station soda of large marine predators. Je suis énorme. Je suis énorme. Peut-être upgrader un petit peu. C'est que niveau 3. Ah bah c'est de la merde. Bah non, attends. Bon, ça, j'ai plein de ressources. Pff, c'est la teuf. Allez. Là, le corps est déjà niveau 5. Bon, on va pas y toucher au reste encore. Corbe électrique. J'ai vu ça quand, moi. Tu vois. Oh, c'est beau. Mais j'ai toujours pas de tête. Je ressuscite niveau 3. Augmente-moi ça. Je lève au niveau 5. Ouais. Tout au niveau 5. Eh, pas la queue, pas la queue. Ah, t'as pas mangé cette tortue. C'est pas grave. Non, repartons. C'est pas une tortue, justement. Pareil que toi. Trop bien, mais 78 seulement. Hein. C'est de la chiasse. Je crois que c'est dans les coffres hein, pour pouvoir maximum de trucs. Putain, y'a un truc juste devant ma gros. Oh, c'est génial. Un shark truck. Quelle merveille. After losing the crash in the 2011 Monster Mania semifinals, Big Finn stepped away from the limelight for a simpler, more natural way of life. Intéressant, intéressant. Alors, mousse du bassin. Quoi de plus emblématique à Port Clovis que des touristes pêchant dans un bassin alimenté par les pêches précédentes. C'est beau ce que tu dis. Tu mérites donc de mourir. Allons-y. Et après, on va se faire le prédateur suprême. Ah, bah, ça va être un orc, hein. Parce que les autres espèces, on l'a déjà eu, hein. Un gros azorque. Oh, on est énorme. Oh, c'est bon. Pour manger combien? À 10. Je vais mettre un coup de cul un peu pour voir ce que ça donne. Je pense que je suis plus sur un coup avec ça. Je les one-shot même pas. On va te promener là-bas. Pour les chasseurs. 7, 8, 9! Il y en a un qui se. Ah non, 8, calme-toi, pas 9. Ah, ils repop, ils sont magiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oh, allô? Allô, le jeu? Super, super. On s'habitue aux nouvelles tailles, hein. Toujours pareil. Merci de tout commentaire. C'était drôlement bien. Méga Shark. Oh, Méga Shark. Oh, Méga Shark. Ouh là là. Oh là là. Ça explose. Oh. 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 Bah alors, les chasseurs. On fait dans sa culotte. Je m'en fais quelques-uns. Pour le plaisir, là c'est moi qui me fais plaisir un petit peu. Un bateau niveau 36, tuons-le. Je le défonce à coup de queue. C'est marrant. Ah, c'est marrant les gars. Bon allez, j'ai assez emmerdé. Temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps d'aller affronter la reine tueuse. Après avoir travaillé pendant 8 ans dans un spectacle de mammifères marins, Mahana a refoulé beaucoup d'agressivité. Il est temps qu'elle la libère. Je comprends bien. La pauvre bête. Allons abréger ses souffrances. Cette esquive de balle. Hop là. On se repose un petit peu. Faut que je fasse tout le tour.
tellement pas à côté. On arrive! Bon, ça va être tendu, je sens. The white and black attack. The orca. Belle bête, hein. La belle bébête, hein. Là. J'ai de combien? 42? 40. C'est normal. Que la coup de cul punitif. Oh, putain, c'est moi qui me suis pris, je crois. Ah, j'ai eu. Ah non, elle se fout trop de ma gueule. Sympa, remarque. Jamais elle était aussi haut, dis-moi. Je crois que ça va être un ennemi pas facile, facile. Je tourne debout là. Ouais, elle me met des coups de queue dévastateurs. Elle a bien raison. Je vais lui en mettre moi aussi. J'ai pas la... Je dirais que je suis pas trop autorisé. Allez. Oh merde, oh merde, oh merde, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je ne peux pas me libérer, si je peux. C'est dur mais c'est mérité. Je peux améliorer la queue osseuse. Ça va changer ma vie ça, hein. Ouais. Bon, est-ce que je prends l'électricité? Vu ce que je me suis bouffé, je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Où ça? Dans de l'ombre? Ouais. Non. Dans l'ombre, on va les garder. Ouais. Faut pas te presser comme ça. Ah bah c'est bien, calme-toi. Alors, je voulais augmenter. Ah non, pas augmenter. C'est déjà au max, tu peux pas, voyons. Ou ça, on va la stun en boucle avec un peu de chance. Ça va être bien. Il va être beau le requin. Ah, t'es niveau 5, toi. Excellent. On n'a pas de queue, hein. Que de l'ombre. Ouais. Non, on va garder ça. Quoi qu'on peut nager plus vite avec ça. Ça va mieux pour l'ensemble. Ouais, c'est mieux pour l'ensemble. Allez. On va l'équiper. En plus, on va l'améliorer. On a une chier de nutriments, là. Ça va? Ouais, ça va. Niveau 5, c'est bon? C'est de la bonne. Requin martien. Très bien. Allons-y. La revanche. Ah, elle va pas me reconnaître, là. Je dois aller où? C'est quoi l'effet cumulatif, là, ensemble? Puisqu'on a pourcent de bonus de dégâts de l'électrique, d'accord. J'espère que ça va suffire. Elle était bien coriace, la mère, quand même, hein. Oh, si. Je suis moyennement confiant. C'est quand même dommage, je passe à l'évolution méga et je perds mon premier combat. C'est honteux. C'est honteux. Mais là, je pense que là... Ah, si, si. C'est ça qu'on lâche plus vite, j'ai l'impression. Hein. Grâce à la queue de l'ombre. Putain, c'est... Along Blanchard County's 78-mile coastline, there are 45 miles of sandy beach. Only six of which aren't owned by resorts. The white and black attack. The orca. Je peux. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, vraiment? Ah, je fais de la... Ah putain! C'est génial! Moi, tu vas te prendre des coups de jus non-stop, ma mère, t'es au courant ou pas? Ça a pas l'air de lui faire trop peur pour l'instant. Très bonne visée en tout cas. Elle a sauté? Elle a sauté. C'est un angle de compétition, ça. Voilà, t'es stun là, hein? Je la mange même pas! Qu'est-ce qui se passe? Ça pique. Ça pique fort. Est-ce que je fais un repli stratégique? Je me dis. Putain, t'es stun, moi. Je me dis oui. C'est une bonne idée. Alors, on va tenter. C'est pas sûr que ça marche parce que. Putain, je me soigne pas, qu'est-ce qui se passe? Ça me colle au cul, hein. Ah non! Non, t'as pas le droit! J'ai activé un truc, je sais pas ce que c'est. J'ai activé mon Y.
Apparemment, ça stun un peu sa mère là. Oh non, je vais mourir si je reste là. Non, mais tu fais du caca! Regardez quand je saute. Oh, le requin fantôme électrique. C'est génial. Et pourtant, je me fais victimiser. Va falloir la jouer. On va jouer pépère, on va pas s'énerver. Dès qu'on est midlife, on va les soigner comme des gros pleutres. Non, parce que ça fait trois fois quand même là hein, qu'on va le faire, donc on va peut-être pas. On va peut-être passer à autre chose. Coastal risk analysis reveals that someday someone here is going to get a sizable check from the National Flood Insurance. The White and Black Attack, the Orca. On est bien. Bien alors. Faut que je reste dans le fond, je pense. Ça évitera qu'elle m'éjecte à la surface, comme un malpropre. Qu'elle me fasse pleurer. Elle a couiné, elle aime pas l'électricité. Ce coup de queue ne m'a pas fait de dégâts, je tiens à le dire. Là par contre. Ok, donc là elle m'a fait un peu mal, mais ça va encore. Optimisme. Je suis une ombre. Ah non, c'est vrai, l'ombre. C'est notre amélioration, on n'a pas le droit de le dire pour tout. J'ai que la queue qui est. Ma queue est une ombre. Ok, on va se soigner. J'ai pas l'impression qu'on lui ait fait énormément de dégâts, mais bon. Ok. Là, prends tous les coups de jus, laisse-moi tranquille. Ah putain! Oh, elle m'a touché. Eh, j'arrive plus à manger des mérous, voilà. Oh là là, tout s'est dit. Là. Je suis fier de moi. Mérou albinos. Ça sera mien. Ah, il est trop rapide. Fais-moi la paix. Ah, elle est pas contente. Ça se trouve, je suis en train de la tuer là. Je m'en rends même pas compte. Elle se prend des petits coups de jus. Elle aime pas ça. C'est quoi ce mérou là? Il est minuscule. Oui, la bouffe. Mais il y en a partout de la bouffe. Pourquoi je la vois pas avant? Bon alors. Revenons-en à nos moutons. Super. Tous mes soins partent. Je suis content. Meurs, meurs. Meurs, Willy, meurs! Soigné. La musique m'a un peu trop enjaillé. Grave erreur. Ah bah écoutez, c'est un peu long, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Elle est tellement violente, putain. J'avance plus. Je me chie dessus. Merde. Oh mais non, mais pourquoi ça a fait ça? Pourquoi tu te retournes? C'est intéressant comme information, ça. Allez, plus offensif. Si, faut être offensif. Faut pas avoir peur d'elle. Et bidon. Je t'esquive, là. Elle m'a touché, j'ai pas rêvé. Je peux pas me toucher, j'esquive, enfin. Ah, l'offense. Non. Pas la surface, c'est son élément. Les profondeurs sont à moi. Ouais, ça se passe bien. Mais elle a tellement de vie! Je vais prendre des dents d'ombre, hein! Pour me soigner quand je la bouffe! Ouais, bah ouais, non! Bon, c'est pas possible! Ah, et ça me saoule, non? Plutôt que d'apprendre à esquiver au bon moment, j'ai pas le temps. On va plutôt prendre. L'attirail de l'ombre. On va être bien comme ça. Tu les as prises? Comme ça, voilà. 6 morsures plus 50 santé. Bon, bah déjà, voilà. Déjà, ça va changer la vie, hein. Bien sûr. Explosion foudroyante. Je peux reprendre. Bon, bah, pour le style, on va rester comme ça. Un joueur de l'ombre, si esquive ou du bernage de poison, qui place un marqueur de poison sur toute créature dans un rayon de 3 mètres. Moins 1% la vitesse, la résistance aux dégâts et aux dégâts infligés. C'est pété. J'en veux.
Il n'a que de l'ombre. Très bien. Ensemble plus 3% vitesse max. Ah bah d'accord. Ouais. Bah ouais, mais là, si tu me parles comme ça aussi, c'est sûr. Hein ? La vitesse, on aime ça. Ah ouais, là, on va vite, là, quand même, là. Ah ouais, quand j'esquive, je lâche une merde noire. Quand je saute aussi. Tel un poulpe ! C'est beau. Et en effet, c'est au niveau de la vitesse, on est pas mal, hein. Parce que là, je fais 5 fois je fais le trajet, donc là, je peux vous dire que ça a été plus rapide. Bon ! Alors ? Qu'est-ce qui se passe avec l'orque ? On pue la merde comme ça. Attention. Hop, poison. Hop, poison. Meurs, meurs. Alors on se soigne quand on meurt alors, vraiment. Ah, faut que c'est la mort, quoi. Là, j'ai pas pris de dégâts de son coup de queue. Ça fait plaisir. Oh là là, elle souffre. Elle a pris du poison. Ça se passe mieux, ça se passe mieux, en effet. Ça se passe bien mieux. Je me soigne pas quand je la mords quand même, non. Je sais pas où est-ce que le jeu il a vu ça. Non mais j'ai mes dents... j'ai vu des cités, j'ai rêvé. Non, ça va là, elle est affaiblie là, la mémère. Mais c'était active. Ah bah oui, j'ai le corps électrique, c'est vrai. Suis-je bête. Allez, mords là, allez, tu l'as. Allez là, oriente-toi mieux là, qu'est-ce que tu fais? Tu vises quoi là? Voilà, on te victimise là, hein? Requin de l'ombre! Oh, la tête osseuse, ça y est! Enfin, une tête! Hein. Bah, Léon, hein! La meilleure Kevin pour la fin. Bon, alors, la grotte du golf. Bon, on est à côté, c'est très bien ça. Allons-y immédiatement. Et puis je vais pouvoir me mettre en full os. Oh, ça c'est bien ça. On va faire ça. Puis dès qu'on aura une nouvelle tête, on va faire os et électricité. Et puis l'ombre pour la fin, vu que l'ombre a l'air toute pétée. Oh, des cachalots. C'est agressif cette merde. Il a pris cher quand même. Je vais en profiter, je vais m'en faire un. Tant que j'ai cette skin là. Cette évolution là. Ils sont chiants, c'est pas pareil. Oh putain, il va y avoir un boss cachalot. Je pense que c'est gros que lui. Ah non, le requin t'en mêle pas. C'est une bataille de bonhomme. Je vais mourir. Je vais mourir. Ok. Où est ma grotte? Je le tue ou pas? Je pense que je vais. Parce que c'est moi qui vais mourir. Qui me chagrine un petit peu. Moi ce requin marteau là, il t'embête tout à l'heure. Ce cachalot il est revenu, ça y est. Ah, je pouvais le secouer. Tu vises quoi là? Le requin marteau, ok. Il est tout à fait bien. Hein. Oh, c'est tout à fait. Tu te rebiffes, hein. Eh bah dis donc. Bon alors. C'est beau pour finir une vidéo, ça. Deux combats épiques comme ça. Vous vous régalez, hein. Ouais. Ouais, je suis pas plus fier de moi. Oh, un coffre. Traveling around, we are constantly reminded of how man's intrusion has disrupted the fragile. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Il est froid, putain, c'est bon. Faut suivre le câble, oui. T'es aveugle. C'est bien, ça change. Once more, the shark turns back to this place of centered calm. Eh. C'est une petite pancarte d'orque. Bon. Est-ce que je vais pouvoir augmenter la tête osseuse? Il va falloir des minéraux. Je vais pas avoir assez, putain. Oh, cette tête.
excellent. Bon, bah, allez, on met tout, on y va. Là, on veut l'ensemble, hein.